Moi, la position, c'est la réconciliation nationale, oui. Pour moi, c'est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est le seul moyen d'une véritable sortie de crise. Bon, comme je l'ai toujours dit pour ces maris, il faut être deux. Maintenant qu'en face, on pense qu'il est temps qu'on se parle, vous ne pensez pas que c'est moi qui vais faire la fine bouche. Donc, j'ai conféré avec M. Mavioga, que j'ai des raisons de connaître, et nous avons rapproché nos points de vue sur le sujet en question, parce que réconciliation nationale, je l'ai lancé le 30 décembre 2017 à la Chambre de commerce avec beaucoup de partis politiques. Là, il paraît qu'il y en a 60, ça fait un peu plus. Bon, maintenant on parle de la paix des braves. Moi, je voulais savoir un peu le contenu qu'il m'a donné. Bon, sur la réconciliation nationale, je n'ai pas eu à m'étendre beaucoup puisqu'il avait des documents. Il avait avec lui des interviews que j'avais données sur le sujet. Donc, en fait, on peut en parler maintenant. Problème tel qu'il se pose, je ne me prononce pas en fonction de la coalition de Jean-Ping. Quand j'ai lancé cet appel à la réconciliation nationale, nous avons eu à discuter avec Jean-Ping. Bien après, nous nous sommes retrouvés pour tomber d'accord qu'il n'y a pas autre chose aujourd'hui que d'appeler les Gabonais à se réconcilier, à discuter ensemble, à regarder dans la même direction. Maintenant que du côté du pouvoir, on lance un autre appel, bon, je pense que ce n'est plus la peine de rester à la périphérie. Allons directement à une rencontre pour la sortie de crise. C'est que qui s'appelle réconciliation, qui s'appelle paix des braves, ça va être des thèmes qui vont être débattus pendant la rencontre. Allons directement à une rencontre pour la sortie de crise au Gabon. Parce que, reconnaissons-le, nous sommes en crise. Ça, tout le monde est d'accord. Ben alors, pourquoi encore des épithètes? Non. Moi, je dis, allons à une rencontre pour la sortie de crise au Gabon. La majorité est disposée. Bon, vous dites 60 partis politiques. Je suppose que dans les 60 partis politiques, il y en a qui se réclament de l'opposition, comme le mien. Mais moi, je suis partant.